Des marches ont été organisées dans de nombreuses villes à travers le monde pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. À Madrid, la mobilisation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes drapées de violet. L'Espagne est souvent considérée comme une référence en matière de droits des femmes en Europe. Le pays avait notamment adopté dès 2004 une loi pour lutter contre les violences fondées sur le sexe. Des textes adoptés récemment par le gouvernement progressiste divisent les mouvements féministes, en particulier celui sur les droits des personnes transgenres. Ce mercredi 8 mars, deux cortèges différents ont défilé dans les rues madrilènes pour marquer leur division. Seguimos reivindicando que nos traten igual que al resto de seres humanos. Somos la mitad y resulta que cobramos menos, tenemos seguimos nos siguen matando. Qu'est-ce que más te puedo decir? Outre-Atlantique, c'est contre les violences faites aux femmes et le harcèlement de rue que se mobilisaient les femmes mexicaines. Des manifestations très encadrées par la police. Hoy es la primera vez que marcho y estoy aquí porque estoy harta de salir todos los días al trabajo, a la escuela y recibir cualquier tipo de acoso. Estamos exigiendo respeto por el simple hecho de existir. Estoy harta que por ser mujer esté condenada a vivir esto todos los días. Au Mexique, les femmes sont sujettes à de nombreuses violences. 20 d'entre elles sont tuées chaque jour dans le pays. Et pour 100 meurtres de femmes, seules 4 personnes sont condamnées à des peines de prison.